Alors justement, on regarde le clip du titre « Je débute ». Et si vos sifflements m'exécutent, je dirai « Je débute ». Je débute tous les soirs, je m'habille et je lutte pour faire monter ma matière brute. Au milieu de fourmis et de fleurs, tous les soirs j'ai peur à la même heure. J'ai l'orgueil à moins de zéro, malgré mon statut de héros. Si demain on dit dans les journaux que c'était le combat de trop, c'est dedans. C'est superbe, c'est superbe. On peut faire mieux, hein, quand même. On peut faire mieux. À chaque fois, c'est la même surprise. Quel public. Non, Serge, je suis un grand fan de Serge Lama, comme nous tous. J'ai vu le clip et je me dis, on peut peut-être faire mieux. Alors, on est à code promo. Vous prenez pas, c'est gratuit. J'insiste lourdement. Alors, on refait le clip et vous me direz si vous ne vous prenez. Alors, on reprend. Allez, on reprend. C'est parti. J'entends les instruments qui s'affûtent de la salle. J'entends le tumulte. Stop, stop. Alors, de la salle, j'entends le tumulte. La salle est vide. Alors, il y a un vrai problème, Serge. Alors, ça peut arriver. Alors, en fait, c'est Bernadette Soubirous. Mais, il y a des voix, mais elles sont pas là. Non. Alors, moi, ce que je propose, vous voulez du tumulte, Serge? Eh ben, on va en mettre du tumulte. Allez, le bordel. Allez. L'OM, voilà. L'OM, voyez, le tumulte, et on rajoute le Paris Saint-Germain, et là, c'est un gros bordel qui se fait. Voyez, voilà. C'est pas mieux, non? Le tumulte, oui. Est-ce que vous prenez ou pas? Oui, je prends, bien sûr. Eh ben voilà, on sert à quelque chose. Allez, on continue, c'est intéressant, ça fait. Allez. Suis-je assez fort? Stop. Alors moi, je vois 50 ans de carrière, je me dis, est-ce que ça vous amuserait de faire carrière aux États-Unis? Non. Dites oui à une vanne. Oui, j'aurais bien. Oui, je m'en doutais, vous me le disiez tout à l'heure. Oui, j'adorerais faire oui, carrière. Eh ben, j'ai la solution. Les États-Unis, mais c'est... Les États-Unis, vous en rêviez. Olivier de Benoît l'a fait. Non, je vous explique pourquoi. J'ai deux copains aux États-Unis qui peuvent vous aider. On les met là et on fait un trio, vous voyez? Voilà, c'est pas mal, ça, non? C'est pas mal, non? C'est des idées. On va vers ça, vous savez. On va vers ça. Ou alors en rappeur. Non, ça vous dirait pas rappeur? Allez, Serge Lama, le rappeur. Moi, je le vois bien. Voilà. Vous avez une tête de rappeur, non? Je trouve que vous avez une tête de rappeur. Non, c'est pas mal, non? Pas mal. Non, c'est pas ça, c'est le même. Non, on continue, c'est parti. Voilà. Stop. Alors, les photos qui sont là, super, mais moi, je sais pas qui c'est. Alors, il faut des photos de gens connus, des trucs, des gens qui sont sur Internet, il faut du buzz. Alors, moi, je vous propose ça. Vous prenez ou vous prenez pas? Allez, allons-y. Voilà, il y en a pour tout le monde. Il y en a pour tout le monde, non? Et avec ça, après, vous avez envie de chanter, non? C'est pas mal, ça. Oui, c'est vrai. C'est... Je vous sens complètement conquis depuis le début. Oui, je suis... N'hésitez pas à dire merci, Serge. Je suis même époustouflé. Je suis époustouflé. Allez, je continue. Là, vous m'avez motivé. On y va, on continue. Allez, c'est parti. Stop. Alors là, j'ai une idée, Serge. En fait, je me dis, on peut peut-être faire du placement de produits. On gagne de l'argent avec son clip. Non, mais vous y avez jamais pensé? Je suis malade, ça pourrait être de l'aspirine. Là, regarde bien. Là, j'ai eu une idée. Très discrètement, ça se voit pas le nu. Paf! Non, mais c'est pas mal, non? Ça peut le faire. On peut. Ah oui. Il a dit oui. Et même pour la coiffure, là. La coiffure Playmobil, on peut faire quelque chose très discrètement. Mais là, il faut pas que ça se voit non plus. Voilà, c'est parti, une coiffure. Franck Provo. Comme ça, on dira que c'est pas vous. Non? Bon, allez. Allez, on a du boulot. Allez, on continue. Non, on a bossé quand même. Allez, c'est parti, on continue. Stop. Alors là, vous donnez tout au public, sauf qu'il n'y a rien dans les mains. Non, mais c'est vrai, c'est facile. Moi, je propose que vous donniez quelque chose au public. Il faut leur donner quelque chose de concret. Par exemple, ça, pourquoi on ferait pas ça? Allez-y. Voilà. Ça, c'est américain, alors. Ça, pour c'est le coup. Alors, Serge Lama, vous avez été imité par tout le monde. Thierry Le Luron, vous avez imité. Je suis malade. Hein. Le Dalai Lama, vous avez imité dans Je suis cocu mais content. Il y a qui d'autre qui vous a imité? Alors, on parlait tout à l'heure des petites femmes de Pigalle. Je suis pas d'accord avec vous, Stéphane. Ah bon? Oui, parce qu'elles n'ont pas changé, la preuve en image. Elles n'ont pas changé, voilà. Oh. Non, mais ça, c'est pas à Pigalle. C'est pardon de vous le dire, non. Ce n'est pas non. En France.
Je reconnais une affiche espagnole. Vous reconnaissez derrière. La personne. Vous reconnaissez la personne. Non. Je reconnais la personne. On voit que ça se passe en Espagne. C'est incroyable. Bon, il y a aussi femme. Et quand on pense à femme, on pense à Inès de la Fressange. Oui. Alors, ça, Inès de la Fressange, l'élégance à la française. Non, mais c'est vrai. Inès, quand on voit Inès de la Fressange sur un vélo, on voit pas le vélo. Quand on voit Inès de la Fressange sur une moto, on voit pas la moto. c'est merveilleux, non? Non, voilà. Non, alors, j'annonce officiellement que Inès va créer une collection capsule. Une collection capsule biodégradable. Alors, je ne sais pas si ça aura du succès. Voilà. Est-ce que vous y croyez ou pas? Mais elle est magnifique, même, bah oui. Même comme c'est ça. C'est pas vraiment biodégradable, c'est du plastique. Dans votre livre, Les Parisiens, vous montrez un certain nombre d'hommes avec des looks formidables. Hein. Celui-là, c'est... Alors, c'est celui qui est déguisé en look pas possible. Voilà. C'est Boris Terral, un acteur. Voilà. Donc, c'est un... Voilà. Et c'est rétro. Juste pas le look qu'il faut. Non, quoi. C'est pas le look qu'il faut. Et alors, c'est marrant parce que moi, j'ai des amis qui ont le look qu'il faut et qui ne sont pas dans votre bouquin. Alors, il faudrait leur donner une chance. Non, mais c'est pas un bottin, hein, Non, mais en espérant qu'il y a tome 2, vu le succès du 1. Regardez, par exemple, mon copain Yann. Bon, Yann, lui, il est pas dedans. Pourquoi? Eh oui, on se demande vraiment. C'est fashion faux pas, là. Non, il y a un truc dans la chaussette. Jean-Paul Gaultier, ça peut faire... Il y a Anthony aussi, le look d'Anthony. Moi, je suis désolé, ça marche, non? Ouais, c'est les souliers, là, ça va pas. Ça va pas. Rénal aussi. Rénal aussi, vous voyez. Bon, non, bon, en tout cas, il y a une chose qui est sûre. J'aurais pas mis ce casque-là. Moi, je l'adore, lui. En tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est que tout ce que vous faites est élégant. Par exemple, quand vous embrassez, c'est élégant, c'est en un temps. Quand Serge vous embrassez, vous, c'est trois temps. Vous voulez voir? C'est trois temps. Un, deux et trois. Voilà. C'est devenu un gag, ça. Et c'était drôle. C'est un truc énorme. Je reviens vers vous, Inès. Vous êtes l'ami de toutes les stars. On vous voit là avec Alain Delon dans une soirée. Et d'ailleurs, il avait essayé de vous séduire, paraît-il, et vous aviez refusé. Du coup, il s'était rabattu sur une autre, comme vous pouvez le constater maintenant. Merci beaucoup à tout un boy. Merci. Olivier de Benoît. Ah là là.